Avoir une piscine, c'est excellent, mais pouvoir l'entretenir automatiquement, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous propose le robot de chez Ybot, le Osprey 700, qui va nous permettre de nettoyer la piscine avec une grande autonomie. J'ai été assez impressionné par ce robot aspirateur de piscine qui va nous permettre de gagner pas mal de temps. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, un produit atypique. On n'est pas sur un clavier, on n'est pas sur une caméra de surveillance, on est sur un robot de piscine qui va permettre de nettoyer l'ensemble de la piscine, même les murs, et y compris la ligne d'eau qui peut laisser des fois des traces quand l'eau s'évapore un petit peu. En tout cas, c'est parti pour ce modèle Osprey 700 de chez la marque Ybot. Personnellement, je n'ai pas de piscine creusée, c'est pour ça que vous allez me voir dans cette vidéo en vacances dans le sud de la France, près de Marseille. En tout cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et nous on est parti pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir le robot laveur de piscine de chez Ybot et c'est la première fois que je fais ce genre d'objet. Ça va être intéressant de voir l'efficacité de ce genre de produit. En tout cas, on a un gros packaging, ça c'est sûr. On pourra laver tout type de sol, que ce soit de la mosaïque, enfin du carrelage ou du liner, on pourra tout faire. Et on est parti pour enlever cela, bien emballé évidemment, parce que ce genre de produit, on n'aimerait pas que ça arrive cassé ou abîmé à cause du transport, évidemment. Donc on l'a tranquillement bien emballé, on le rechargera par ici et évidemment il y a un bouchon pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans la machine. On a reçu également des accessoires qui vont être utiles, dont celui-là qui va nous permettre de récupérer la machine pour la remonter. Si on la met au bout d'une perche, on pourra la remonter beaucoup plus facilement que si on était obligé de le rechercher à la main. Et on pourra facilement accéder à la machine et également aux impuretés qu'on aurait pu récupérer comme des feuilles mortes, comme des cheveux ou encore du sable, des choses qu'on pourra récupérer ici, enlever le filtre et nettoyer au jet d'eau par exemple. Et on peut voir qu'il y a une grande capacité et voici le dessous de la machine, on pourra voir qu'il y a pas mal de petites roulettes comme celle-ci, surtout ici encore on a pas mal de petites roulettes qui vont permettre à la machine de mieux avancer. Pour faire assez rapide sur ce robot Ybot Osprey 700, on pourra nettoyer les sols et les murs très facilement, mais aussi la ligne d'eau qui se situera à la place de l'eau. Quand elle va baisser en volume d'eau, il va rester une petite ligne généralement, ça forme une ligne. Et ce robot pourra monter juste en-dessus de la ligne d'eau pour tout nettoyer et faire en sorte qu'on n'ait plus à le faire. On est sur un robot qui pèse 8 kg, qui aura une double brosse à l'avant, 4 roues motrices, il avancera à 18 mètres par minute, il sera capable de nettoyer jusqu'à 10 mètres cubes d'eau par heure. On aura du coup 4 roues motrices qui entraîneront des chenilles. Et au niveau de l'autonomie, on aura 8800 mAh, ce qui va représenter 110 minutes d'autonomie continue et on aura aussi une charge rapide qui chargera l'appareil en 3h30, ce qui est relativement assez bas pour une batterie de 8800 mAh. Évidemment étanche comme je vous ai montré, surtout là où est-ce qu'on va pouvoir charger l'appareil en haut. Il sera IPX8 et ne craindra rien dans l'eau évidemment. Idéal pour des piscines en PVC, en béton ou encore en mosaïque. Et aussi il pourra aller à une profondeur maximale de 4 mètres. Mais c'est vraiment au maximum. Une taille de piscine idéale pour cet appareil ce serait 120 mètres carrés, comprenant le sol et les murs. On est directement dans le bon décor, on va pouvoir le tester convenablement, il y a quelques marches, il y a pas mal de choses à tester avec cet aspirateur. Et pour tester, quoi de mieux que de le faire en vacances, on est près de Marseille actuellement et on a une jolie piscine devant nous qui a en profondeur maximale 1m90 et en profondeur minimale 1m40 avec quelques marches et des bords tout autour. On va voir si le robot arrive à gravir ces obstacles et voir ce que ça donne. On est sur une piscine qui fait 4 mètres de large et 8 mètres de long, ce qui est très correct pour un appareil de ce genre qui aura une capacité idéale de nettoyer 120 mètres carrés de piscine en comptant les murs et le sol. Profitez encore 2 secondes du paysage et nous on va partir pour mettre le robot à l'eau. Il y a un bouton unique qui va être très pratique pour l'allumer et le mettre directement dans l'eau. Alors il faut idéalement vider les bulles. On va le noyer et faire attention qu'il est bien allumé. Il est en train de couler et je vais faire des plans en dessous de l'eau, sous l'eau, pour voir comment il se déplace. Faire ça de façon intelligente, c'est un des points forts de cet aspirateur. Il faut qu'il soit intelligent et qu'il sache devenir autonome.
Et on va voir ce que ça donne sous l'eau. Donc là... Bon, alors le robot est dans l'eau et voici ce qu'il doit aspirer. J'ai filmé pas mal de fois l'eau pour que vous puissiez bien voir. Je suis allé dans l'eau pour vous montrer un petit peu les résidus et la saleté qu'il va devoir aspirer pour voir s'il a bien fonctionné ou non. En tout cas, on l'a mis à l'eau et vous pouvez voir qu'il navigue évidemment très correctement parce qu'il a un parcours intelligent qu'il va respecter pour optimiser le lavage. Et on a vu qu'il pourra aller sur les murs. Et sachez que sur les murs, il y a un petit rebord. Ça forme une espèce de petite marche. Et c'est vrai que même ça, ça ne l'a pas dérangé. Il est allé au-dessus de la ligne d'eau pour tout nettoyer, comme je vous ai expliqué. Et les doubles brosses vont très bien faire le travail pour nettoyer tout cela. Comme vous pouvez le voir actuellement à la vidéo, il va bien circuler. Et ces brosses vont être surtout très utiles pour nettoyer la ligne d'eau. Regardez donc cette vidéo. Vous voyez que l'appareil va monter au-dessus du niveau de l'eau pour nettoyer cette petite ligne. Et je trouve ça très ingénieux et très efficace. Au niveau des murs, il n'y a rien à redire, il peut aller partout sans aucune difficulté et sur le sol également. Et voici d'un petit peu plus loin, voyez-vous comment il monte les murs. C'est assez impressionnant de voir le parcours qu'il fait pour monter un mur. Évidemment, ça ne va pas super vite, le but c'est de tout nettoyer en profondeur et j'admire cela. Annoncé 110 minutes d'autonomie et je pense qu'on peut ajouter même 30 minutes en plus parce que ça a duré plus de 110 minutes et il tournait encore. À la fin, il va se décharger évidemment et il va revenir à un endroit un peu plus safe. Enfin du moins, il va essayer de revenir sur le bord qu'on puisse le prendre facilement et le sortir de l'eau. Un point sur lequel je vais devoir revenir, c'est sur le fait qu'il n'a pas réussi à gravir les escaliers. Ça a été un petit peu difficile. Après, je pense que les escaliers, ce ne sont pas les endroits les plus à plaindre en termes de saleté. C'est plus dans les quatre coins de la piscine qu'on va réellement retrouver tous les résidus. Alors, je ne sais pas si les marches étaient trop petites et que du coup, il n'arrivait pas à aller dessus parce que c'est vrai que les marches étaient vraiment petites par rapport à la taille du robot. Mais en tout cas, un petit peu de mal à gravir cela. Et évidemment, au bout d'un moment, il s'est déchargé. Et j'ai envie de dire après 110 minutes. Donc, c'est-à-dire que l'autonomie est plus élevée que ce qu'on pensait. Et je l'ai sorti de l'eau et regardez un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et voici tout ce qu'il a récupéré. Alors, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'aiguilles de pin parce que je suis dans le sud de la France, il y a beaucoup d'aiguilles de pin et on a remarqué qu'il en a aspiré un sacré paquet. Ça, c'est sûr. On a fait exprès de pas passer l'épuisette avant le test pour qu'il y ait pas mal de choses dans l'eau et que vous puissiez voir qu'il récupère quand même pas mal de choses. Par contre, c'est vrai que dans l'eau, il restera encore un petit peu de résidus, même si dans l'ensemble, le sol a été nettoyé. Dans mon cas précis, c'est pas une seule fois qui va suffire, c'est peut-être deux fois par semaine, trois fois par semaine pour avoir une piscine tout le temps clean, sans pour autant devoir passer l'épuisette et mobiliser du temps tout le temps. Le fait que ce soit sans fil, évidemment, c'est beaucoup plus pratique, vous avez vu juste après à sortir l'appareil de l'eau, le recharger, vider le bac avec un jet d'eau, ce que j'ai fait, et c'est très simple, à vrai dire, très facile à prendre en main. L'automatisation du nettoyage se fait très bien, et c'est vrai que ça enlève quand même pas mal de temps qu'on aurait dû investir dans le lavage de la piscine. Pendant qu'il passait, je vous cache pas qu'on s'est fait un barbecue, et on le regardait, et puis on était plutôt content de le voir agir. Bon, pour conclure, le robot Osprey 700 de chez Whitebot, qui coûte actuellement sur Amazon un petit peu plus de 700 €, est-ce que ça vaut le coup ou non? Alors évidemment, ça dépendra de votre budget. Si vous êtes prêt à investir plus de 700 € pour éviter de passer des heures à nettoyer votre piscine, ça peut être un bon investissement. Par contre, si vous avez moins de 700 €, peut-être qu'il faudra se diriger vers d'autres modèles de la marque qui proposent des mêmes produits qui vont servir à répondre aux mêmes besoins, nettoyer la piscine sans mobiliser trop de temps. Les gros points positifs de ce produit, ça sera son autonomie, ses doubles brosses et l'aspiration qui est très puissante. Et les deux seules choses que j'ai à reprocher à ce robot, c'est qu'il n'a pas pu gravir les petites marches de ma piscine et également qu'il restait encore un petit peu de résidus qu'il aurait peut-être pu aspirer s'il avait encore plus d'autonomie, même si je pense que le problème ne vient pas de l'autonomie, mais de la saleté qu'il y avait dans la piscine. Il y avait peut-être un petit peu trop. Voilà, en tout cas, le lien se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce robot et également de ce que vous pensez de la piscine et du décor qu'on avait pendant une semaine dans le sud de la France. J'ai passé d'excellentes vacances. J'espère que vous aussi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.